Salut tout le monde, ici Koum et bienvenue à ma première expérience à un jeu de style Slender Man. Alors, je sais à quoi m'attendre, là, inquiétez-vous pas, j'ai déjà vu des tonnes de vidéos sur YouTube, mais j'avais jamais essayé. Alors, on va voir ça aujourd'hui. Et comme avec les vidéos de Grey, je me suis équipé de ma casquette canard porte-bonheur, en espérant que ça fera pas trop peur, mais je m'y attends, là, je connais le genre. Alors, tout est supposé être correct. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et on va voir. Ah, ok. Ben, je vais essayer le story mode. Ça, c'est un des derniers qui est sorti. Je trouve un des plus aboutis, là. Ça fait déjà plusieurs mois que le genre existe. Alors, on peut trouver le jeu sur Desura, comme tous les modes pour Half-Life 2 et etc. Là. Et c'est gratuit. Je vais lire vite vite, essayer de résumer. Alors, c'est une personne, pas d'amis. Pas de famille qui décide d'aller dans les bois, habiter dans la maison de ses, dans une vieille maison de ses parents qui avait encore les clés. Et tout allait bien jusqu'à temps qu'il commence à entendre des bruits bizarres. Ok. Je peux y aller. Wow! Je m'attendais quand même un petit peu à mieux que ça graphiquement, mais bon. Petite chaise. Bon film, ça existe pour vrai. Et voilà. On a un petit lunch avant de partir. Je sais pas. Quelle heure est-il? C'est pas mal la même longueur. 2h moins 10 du matin, j'imagine. Désolé pour la petite coupure, j'ai eu un problème d'écouteur. Alors j'ai sorti une vieille paire d'écouteurs de secours. Il fait mais vraiment noir. C'est une map ou quelque chose? C'est quoi? Ok. Pouti 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 pouti. Bon. On va aller par là. Juste un peu le son. Un petit clipping. Des fougères qui bougent dans le fond. Je vais l'écouter. I should probably go back home. C'est ça que je vais faire. Ah, quelque chose. Ce n'était pas là avant. Ah, la créature. Oh, je suis bon pour remarquer des détails. Ok. Reste. Ok, ça c'est le sud. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tunnel souterrain à droite. Tout va bien, tout va bien. Deux directions.
Sérieusement, c'est beaucoup plus épeurant et joué que de le regarder en vidéo. Hello? Je sais vraiment pas. Vu que c'est comme story mode, mode histoire, c'est pas comme chercher des feuilles comme avec les autres. Là. Ah, quelque chose d'autre. Des beaux chevaux. Des glaces. Ça, c'est vraiment pas par où aller. Je vais aller vers l'ouest, c'est comme qu'il y avait. C'est un méga terrain. Combien de temps ça prend non plus de faire? Non. Ah, vous connaissez sûrement tous ces PewDiePie qui popularisé un peu le. Ouais, mais là, faut que j'aille à l'aile. Ah! Faut que j'aille à l'aile. Bien. Ah! Non! Il y a une maudite clôture qui me bleue. Je vais pas me retourner puis que ce soit dans ma face. Oh god damn it. Oh, il y a des clôtures partout. Non! C'est quoi cette affaire? Oh mon dieu. Je suis en sécurité ici. Je suis en sécurité ici. Ok, je reste ici, faut le reste dessus. Wouh! Ok. Oh my god. Oh my god. Ok. Bon, cette fois-ci, je me perds pas. Ok, il y a une petite lag, excusez-moi. C'est un site ouest. C'est pas la même direction que l'autre fois. Oh, hey, je sue de partout. Ouf. I need a key. J'ai besoin d'une clé. J'ai besoin d'une clé.
pour ouvrir la porte. Ah, mais j'étais en construction site. Ouf. Ouf, j'ai des frissons. Bon. C'est un doux qui a laissé une note comme quoi il a peur du noir, puis que. Que c'était un nombre de poches, j'avais plus de batterie, puis que là il y avait peur parce qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Fait que là, est. That's it. Est, c'est tout. Qui a laissé la. Qui a laissé la note sur ma porte et a posé des grillages à ma porte? Je sais pas si je pense que je suis en. T'es pas supposé être plus facile? Ça semble qu'on m'avait dit que c'était le plus simple. Oh. Bon. Sueur paille en dessous des bras. Pas mal dégueu. Excusez-moi, c'est vraiment hyper. Wow. Bon ben, on va arrêter là pour cet épisode-là. Je vous promets que je vais essayer d'autres fois. Mais pour ce soir, je pense que je suis correct. Hein? Sèche un peu ma chatte. Bon ben gars, je vous le recommande tous. Dizura.com, c'est super simple. Tu fais un compte, tu télécharges la petite application. C'est comme Steam, gratuit. Essayez-le. Je pense sérieusement que c'est un des plus fun Slenderman qui existe. Puis, ben voilà. Joyeux Noël tout le monde. Ciao! Change notre vie, ce sont nos amis de jour comme de nuit. Les moulines, venez avec nous.